Et bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 28e édition de ce podcast. Comment allez-vous? Bah moi en tout cas ça va très bien. Je vous invite à aller chercher à manger, à aller chercher à boire, voilà, vous faites des kiffs, vous regardez ça sur YouTube en direct en HD. Et bien sûr, nous sommes accompagnés de deux chroniqueurs cette fois-ci parce que Monsieur Medvin est absent. Paix à lui. Donc tout d'abord, nous sommes accompagnés du pro de la NXT, l'ancien présentateur et surtout quelqu'un qui a des avis très intéressants. Bonsoir à toi, Guillaume. Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Melvin, et puis félicitations pour ton augmentation, présentateur du podcast, et retour en bas, les chroniqueurs, ça change, c'était bien aussi. D'accord, petite anecdote, je ne m'appelle pas Melvin, c'est pas grave. On va présenter Non mais tu Axel. vois, t'es le Damien Sandow, c'est l'émission, tu vois, c'est un Oui. peu le pire. Oui, donc on va présenter maintenant le lion de la chaîne et aussi ce roi, un roi ici. Veuillez accueillir Axel. Merci Melvin pour cette introduction. Bonsoir à tous. Mais de rien. Mais de rien. Aujourd'hui, on a un sacré programme. Donc j'espère que vous allez vous accrocher. Un programme vraiment diversifié, même parfois trop. Non, je rigole. On va déjà commencer par la rubrique des news. À tout de suite. Et on se retrouve du coup pour les news. Donc, on a 5 news, 4 news, pardon, où on va pouvoir. 4 news totalement différentes. Donc, tout d'abord, nous allons parler de Cody Rhodes, parce que soi-disant, il a signé pardon, un contrat de légende avec la WWE. Donc, quels sont vos avis? On va commencer par toi, Guillaume. Pour moi, ça peut être très intéressant. Beaucoup ont parlé sur Internet que Cody Rhodes aurait pu faire un espèce de work avec WWE, comme quoi il aurait quitté son personnage de Stardust, il aurait quitté WWE pour partir faire prouver ce qu'il vaut dans les fédérations indépendantes. Et il y a pas mal de profs qui pourraient avancer cette théorie, comme quoi il n'aurait pas signé avec des grosses fédérations comme la ROH ou comme la TNA. Donc il y a pas mal de spéculations là-dessus. Et effectivement, le fait qu'il y ait ces rumeurs qu'il ait signé un contrat de légende avec WWE confirme en quelque sorte que bah, il est toujours en relation avec eux et que tout ça pourrait être un work pour vraiment dire bah voilà, Cody Rhodes c'est bien plus que Stardust, c'est ça pourrait lui donner un peu plus de crédibilité des fédérations indépendantes comme ça a pu offrir à AJ Styles qui est donc un roi de l'un des fédérations indépendantes et ça pourrait offrir cette vraie crédibilité autre que la WWE. Donc ça peut, si c'est un work, c'est très intelligent, c'est très bien fait, ça permet à Cody Rhodes aussi d'affronter des grandes stars comme Kurt Angle, comme il a fait une liste de tous ceux qu'il voulait affronter, et honnêtement, vu la liste a énormément de gueule, si c'est un work, c'est très bien fait, et j'espère que les rumeurs sont vraies, qu'il est toujours en contrat avec la WWE, même si c'est un contrat de légende. Pour ceux qui ne savent pas, un contrat de légende, c'est juste un contrat qui permet à la WWE de garder en quelque sorte un droit sur ton nom, et c'est un contrat que tu signes pour juste rester avec la WWE, avoir un peu d'argent de temps en temps et pouvoir apparaître toujours à la WWE, ça c'est le plus important. C'est des contrats qu'ont signé comme par exemple Jake the Snake Roberts, Stone Cold Steve Austin, je crois que Shawn Michaels elle-même ainsi que Mick Foley. Donc c'est un gros contrat quand même. Ric Flair devait avoir le même aussi. Et donc si les rumeurs sont vraies, ça pourrait être assez gros pour le futur de Cody Rhodes quand même. Voilà, c'est vrai, on va rappeler quand même que ce n'est qu'une rumeur. Donc attention, il faut pas vraiment le prendre trop au sérieux. Et donc on va suivre avec l'avis d'Axel, je t'en prie. Alors moi, je vais pas être tout à fait du même avis que Guillaume. Je vais peut-être avoir des paroles un peu fortes, hein, mais je trouve que c'est vraiment inutile ce genre de contrat pour Cody Rhodes, parce que pour moi, le contrat de légende, c'est vraiment un contrat qu'on offre aux top superstars, aux superstars qui vont jouer un grand rôle au sein de la fédération, aux superstars qui, comme tu l'as dit, vont faire des apparitions dans l'avenir. Là, franchement, Cody Rhodes, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il ferait avec ce contrat de légende? Qu'est-ce qu'il ferait dans l'avenir, quoi? Enfin, je veux dire. Je vois pas dans quelles conditions il pourrait apparaître. Déjà qu'il n'était pas bien booké à la base lorsqu'il était sous contrat et qu'il était lutteur. Voilà, il n'était pas mis en avant. Je ne vois pas en quoi il peut être mieux mis en avant avec ce contrat de légende et quel rôle ils peuvent lui donner. Et j'ai vraiment du mal à croire cette news. Moi, je vois vraiment ça comme un placement pour le futur, pour que la WWE garde Cody Rhodes sous la main au cas où. Et une fois que Cody Rhodes a fait tout ce qu'il voulait dans les fédérations indépendantes, qu'il puisse revenir parce que
il aura attiré des fans des fédérations indépendantes qui font ah ok ça c'est Cody Rhodes, putain le mec a de la gueule, et si AEW change ce contrat pour devenir un nouveau contrat de superstar qu'ils peuvent renouveler, et bah ça pourrait attirer du public, et puis on pourrait avoir un Cody Rhodes qui s'est aussi perfectionné, parce que tout le temps travailler avec les mêmes personnes de WWE, ça peut être assez lourd, et travailler avec des gros gros talents comme par exemple Kurt Angle qui était un de ces catcheurs dont il rêvait de catcher contre et qu'il a enfin fait, il peut en apprendre énormément et revenir encore plus gros qu'avant. Pour moi, c'est vraiment, pour moi, je vois ça comme une tentative de WWE de le garder sous la main pour qu'il puisse revenir un de ces quatre s'il le veut et s'ils le veulent aussi. Si, Ah, c'est. je pense que si vraiment c'était le cas, ils auraient vraiment proposé un gros chèque derrière, si vraiment ils voulaient le garder, et qu'ils lui auraient proposé un autre booking, un meilleur booking dans les mois, les années à venir. Et voilà, ils l'ont pas fait, donc ils n'avaient pas l'air non plus d'être très possessifs envers Cody Rhodes, ils l'ont pas retenu. Voilà, il n'y a pas non plus. Ça a peut-être aussi rapport avec son nom. C'est quand même un Rhodes et ils ont une énorme affection envers la famille Rhodes. C'est aussi peut-être pour ça. Et c'est aussi peut-être parce qu'il est parti, ils se sont dit, oh, quelle boulette on a fait, on va essayer de le récupérer. Voilà. C'est une Peut-être. possibilité, C'est ouais. vrai. Ça peut-être aussi. C'est pour moi, c'est vraiment un de ces deux scénarios. Soit c'est parce que c'est un Rhodes et qu'ils ont énormément d'attachement avec la famille Rhodes. C'était vraiment plus une aide en mode, ok, si ça marche pas, t'as toujours ton contrat, on peut toujours filer du fric, tu pourras toujours revenir. Mais ça pourrait être aussi un work, vraiment quelque chose de limite scénarisé. Bah, honnêtement, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois vraiment pas. Moi, je pense, ce que j'ai dit, voilà, c'est absolument pas ce que je pense, mais c'est ce que possible pense à l'OM. Mais moi, honnêtement, je pense que voilà, ils en avaient marre de ce. Bah, ils savaient plus quoi en faire, donc du coup, ils s'est barré. Et je vois pas pourquoi ils leur proposent un rôle. Après, on sait pas ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils veulent vouloir. Mais voilà, je pense que Cody Rhodes à la WWE, c'est fini. Et peut-être ceux qui ont cru ces news là, derrière votre ordinateur, ils se sont dit. Ah bah ouais, bah on va essayer de créer une rumeur comme quoi Cody Rhodes pourrait re-signer, comme ça va faire des vues et tout ça. Ce qui est possible aussi. Mais bien sûr, ça restera à voir. Mais moi honnêtement, j'y crois pas. C'est bon, vous avez pas quelque chose à rajouter dessus? Non. Non, on a à peu près tout dit. Ouais. Très bien. Alors on va continuer pour la deuxième news qui est un gros, alors des gros retours plutôt. Comme le chien de Mickey. Déjà Lesnar, Neville, Orton et Itami qui sont les retours vraiment prochains. Donc j'aimerais savoir vos avis sur les retours. Vas-y Axel. On a des dates pour les retours? Quelques-unes, ouais, par exemple, Itami est déjà revenu la Ouais, semaine, ça début j'ai de vu. semaine. Orton devrait revenir d'ici un mois. Nevo les plans est prévu pour un match la semaine prochaine, je crois. Je crois que c'est ça. Ah non, pour août. Pour août, il est prévu pour août. Et pour Lesnar, il est prévu bah, SmackDown pour le brand split. D'accord. Donc, bah, je vais passer rapidement sur chaque superstar. Donc, Itami, donc c'est officiel, donc ça va faire plaisir de le revoir parce que bon, au final, il n'a pas fait grand-chose à la NXT. Cette blessure est venue un petit peu briser sa lancée à la NXT. Donc, j'espère qu'il va se reprendre et qu'il va rapidement venir dans le roster principal. Je ne sais pas quand il est prévu qu'il fasse son retour officiel parce que je crois que là il a fait son retour, on l'a juste vu en photo, je crois, hein. Il a pas fait de match encore. Si, 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 il a fait quelques matchs, il a fait un contre Samoa Joe, il a fait un en équipe avec, En live event? oui, en live event, en live event. D'accord. Ok. Pour ce qui est d'Orton, ça fait déjà combien de temps qu'on l'attend lui et qu'il est toujours pas là alors qu'il est prêt à Voilà. revenir? Donc Un on peu sait pas moins trop d'un ce qu'il an. fait. Donc Orton, voilà, je pense qu'il sera là pour le brand split quand même. Hein. Enfin, j'espère, parce que c'est quand même un événement assez important et Orton est quand même une top star de la fédération, donc ça serait quand même bien qu'il soit là pour assister à ce brand split. Neville, c'est au mois d'août, vous m'avez dit. Pareil, il est apte, j'ai cru comprendre. Alors pourquoi le mois d'août? Parce qu'il doit être annoncé peut-être pour des shows du mois d'août, mais il reviendra probablement avant, je pense. Et Lesnar, alors ça c'est également une top star, voire la top star de la fédération. Il sera là pour le brand split et j'ai hâte de voir le rôle qu'il va jouer parce que il va certainement se relancer dans une rivalité dès ce show à SmackDown et ça va être cool, mais j'ai vraiment aucune idée de ce que ça va être. Goldberg, peut-être, qui sait, on ne sait pas.
Personnellement, bah, Neville, j'ai hâte de le revoir parce que sa blessure était assez bête. Il devait être dans le ladder match à WrestleMania, donc j'ai vraiment hâte de le voir. Ça lui a coûté énormément. J'ai hâte de le revoir d'ici août. Donc il a été annoncé pour un show en Australie. Il reviendra probablement d'ici là. Pour Hideo Itami, bah, je suis content qu'il revienne. C'était à la base une petite blessure qu'il devait écarter pendant 6 mois. Au final, ça s'est compliqué. Un an plus tard, il vient tout juste de revenir, même plus d'un an. Donc j'ai hâte de le revoir dans le ring. Il n'a pas fait ses preuves comme on aurait voulu le voir à la NXT. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut donner. Surtout avec des talents comme Shinsuke qui sont aujourd'hui, avec Finn Balor qui est toujours. J'ai vraiment hâte de le voir travailler avec ces catcheurs-là. Pour ce qui est de Orton, donc il devrait revenir d'ici un mois. Il a commencé à s'entraîner au Performance Center. Je vais être honnête avec vous, je suis pas un grand fan d'Orton, donc je l'attends pas plus que ça. C'est un gros nom, certes. Il sera très bien utilisé pour un brand split parce que bah, c'est une des rares top stars que possède WWE en ce moment. Donc ouais, normalement les médecins ont dit qu'il serait ok d'ici un petit mois. Donc pour SummerSlam, il sera ok. Et Lesnar, bah, après son match à UFC 200 pour le brand split, ça va donner une bouffée d'air frais parce qu'on aura vraiment un roster beaucoup plus aéré d'ici juillet, et voir les stars en plus arriver à Raw, à SmackDown. D'ailleurs, je sais même pas comment ils vont faire pour le mettre dans un roster, parce que vu que c'est un part-timer, je sais pas comment ils vont se démerder avec lui. Mais ça va être intéressant de le revoir, et surtout après son match à l'UFC. Donc pour chacun d'eux, je leur souhaite bonne chance, et puis j'ai hâte de revoir notamment Lesnar et Itami D'accord, bah moi bon, je vais pas tout dire ce que vous avez dit, parce que vous avez à peu près tout dit. Itami, c'est proche, c'est cool. Lesnar, ça va être une top star, on a un bah, c'est une top star, et on a on va voir quand il sera de retour. Je crois pas que c'est prévu sa date, hein. Neville, c'est en août, donc écoutez, Neville, c'est pas un catcheur qui m'attire des masses, donc pour moi je m'en fous. Orton, ça va être cool. Par contre, voilà quoi. Et Itami, j'en ai déjà parlé. Bon, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette news? Je voudrais juste rajouter, j'aimerais bien qu'Orton revienne en heel, ça serait cool. Ouais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gros heals accompagnés en ce moment. Non, et puis même Orton face, voilà quoi. C'est vrai que c'est assez lourd, mais il rapporte aussi beaucoup d'argent quand il est face. Les Bah, fans c'est l'adorent en sûr. face. Mais bon, le Orton de 2009 par exemple, voilà, ça c'est du Orton comme on l'aime. Ah oui, c'est sûr. Ouais, sauf sa coupe de cheveux. Enfin, il n'en avait pas. Vous avez quelque chose à rajouter ou pas, du coup? Non. Alors moi, par contre, j'ai un petit truc à rajouter. Moi, je voudrais bien voir Neville en heel. Pourquoi pas? Non. Non, La il avait heel. déjà montré. Il avait déjà Oui. montré Des trucs heel. des trucs heal, notamment dans son match contre Sami Zayn à TakeOver, quand Zayn avait gagné le titre. Il était arrivé vraiment genre très confiant, genre tu vas jamais gagner le titre, gros. Et honnêtement, c'était une nouvelle facette de Neville qui m'avait plu, hein. Je pense qu'il pourrait être à un assez bon heal. Pas dans le Le roster genre vraiment principal. confiant. Et alors, on peut vraiment imaginer quelqu'un heel, et quelqu'un heel peut très bien marcher. Il y a eu énormément de gens où encore heel, ça a vraiment bien marché, hein. Certes. Mais pour moi, je pense qu'il pourrait assez bien endosser le rôle de heal. Si on lui laisse suffisamment de place pour pouvoir développer son caractère, son gimmick, je pense qu'il peut fonctionner en heal. D'accord. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter du coup? Très bien. Alors, on va passer à la troisième news, la news la plus loufoque, mais bon, pourquoi pas. La news loufoque. Lawler, apparemment, n'est pas suspendu. Enfin, n'est plus suspendu, plutôt. J'aimerais avoir vos avis dessus, Guillaume, s'il te plaît. Pas grand chose à dire, Lawler, donc je pense que vous avez tous entendu parler de cette histoire. Il apparemment n'est plus suspendu par WWE, donc il fera prochainement son retour à SmackDown. Au revoir David Otunga, tu ne manqueras pas. Je sais pas si c'est une bonne chose parce que bah c'est pas quelque chose qui va rester dans la durée, c'est pas non plus un énorme truc. Certes, il a apparemment battu sa femme, mais bon, c'est sa vie privée à côté quoi. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on aurait
on aurait vraiment voulu voir un nouveau commentateur à SmackDown. Peut-être qu'on les verra à la Grand Split, mais voir un Corey Graves arriver même pour SmackDown, ça aurait été un énorme plus. Donc là, bah, on va se retaper le vieil Lawler. Petite déception à ce niveau-là. D'accord, merci à toi. Tiens, s'il te plaît. Bah moi je vais pas rajouter grand chose, hein. Guillaume a tout dit, c'est pas une news où il y a énormément de choses à dire. Juste, c'est surprenant, quoi, là, ça a pas duré très long au final, donc j'ai pas trop compris au final toute cette histoire de suspension. Je n'ai pas suivi non plus toutes les soirs, je ne sais pas si tout ce qui a été dit sur Lawler a vraiment été fait, est-ce qu'il a vraiment réalisé tous ses actes, est-ce que c'est vrai? Si c'est le cas, bah, je ne comprends pas trop pourquoi la WWE l'a suspendu pour au final ne plus le suspendre. Donc j'imagine que voilà, il y avait pas mal de choses qui étaient fausses dans cette histoire. Enfin, j'espère pour Lawler. Et sinon, bah, pour ce que ça va changer à la WWE, comme l'a dit Guillaume, c'est dommage parce que ça aurait pu nous apporter une nouvelle équipe de commentateurs, ça aurait pu amener un peu de changement. Après Lawler, voilà, c'est pas quelqu'un qui me dérange forcément, hein, contrairement à Michael Cole. Il me dérange pas, voilà. Ça va pas changer ma vie, quoi. D'accord. Bon, moi, ce que je peux rajouter, c'est que je comprends pas pourquoi. Après, voilà, il y a tout ce qui se passe derrière et qu'on ne sait pas. Donc voilà. Donc, écoutez, bon, si je pense qu'il a arrêté d'être suspendu, c'est ce qui s'est passé quelque chose. Tant mieux pour lui. Et donc, du coup, voilà. Moi, honnêtement, je peux pas rajouter trop de choses dessus parce que déjà vous l'avez dit. Puis, voilà, quoi. C'est pas non plus. C'est quelque chose d'assez confidentiel. Et donc, voilà. Vous avez bon. J'imagine que vous n'avez rien à rajouter dessus. On va passer à la quatrième news, qui est la dernière news déjà de cette semaine et va concerner notre très bon ami que tout le monde adore d'ailleurs, on est tous fans de ce catcheur qui est Roman Reigns. En plus, il innove ses prises, il mérite toutes les ceintures. Et soi-disant, ce fameux Roman Reigns doit s'excuser devant le vestiaire complet. Alors, j'aimerais avoir vos avis dessus pour notre très bon. Pour mon très bon ami Roman Reigns. Axel, s'il te plaît. Alors, je crois que c'est Triple H qui a obligé Roman Reigns à s'excuser devant tout le vestiaire, devant tous les lutteurs. Ça montre quand même qu'au final, la violation de cette wellness policy n'est pas quelque chose dont ils rigolent avec, dont devant les caméras ils disent oh c'est pas bien, mais qu'au final dans les backstage pardon, ils se disent ouais bon on dit ça pour faire bien à la télé, mais derrière on s'en fiche un peu, il peut se droguer, on s'en fout. Non, ça prouve quand même que ils accordent quand même de l'importance à cette loi entre guillemets, à la consommation de drogue, etc. On voit bien qu'ils sont contre. Pour obliger les lutteurs à faire ces actes. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien ce qu'a fait Triple H parce que voilà, ça devait pas être évident pour Roman Reigns de s'excuser devant tout le monde. Ça doit être un moment très gênant, j'imagine. Après tout, bah, il a fait ses actes, donc il doit les assumer. Mais voilà, et je pense que c'est une bonne chose parce que les lutteurs qui voient ça, ils se disent peut-être, ah putain, il doit vraiment pas être bien là, Roman Reigns, j'aimerais pas être à sa place. Et peut-être que ça va les faire réfléchir un petit peu, justement. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça va peut-être les inciter à ne pas recommencer et c'est ce qu'il faut, quoi. Pour moi, c'est une bonne action parce que ça prouve que peu importe quel est ton statut vis-à-vis de Vince McMahon, de Triple H ou de WWE, peu importe ton statut, si tu merdes et tu dois subir les conséquences. Et comme il a dit sur Twitter, Roman Reigns, j'ai merdé, je mérite tout ce que ma suspension, etc. Et le fait de s'excuser publiquement devant chaque personne du roster, ça a un petit peu le côté humiliation et du coup, ça a double effet. Ça veut dire que c'est dissuasif pour les catcheurs déjà présents. Et en plus, c'est une punition pour Reigns parce que clairement, il a merdé. On lui a donné une occasion d'avoir un énorme push. Certes, les fans derrière le suivent absolument pas et ça peut être très dur psychologiquement parce que bah, tout le monde te déteste alors que tu es censé être aimé. Je dis pas que c'est pas dur psychologiquement et qu'il y a des fois où tu peux lâcher, mais derrière, tu as énormément de responsabilités. Tu es le champion de la WWE, tu es censé représenter une compagnie. Tu merdes pas comme ça concrètement. C'est donc une punition comme ça peut paraître petit, mais quand tu dois t'excuser face à combien il doit y avoir une cinquantaine ou une soixantaine de personnes backstage avec les officiels, etc., ça peut très vite devenir humiliant. Beau jeu. Voilà, c'est normal, c'est fait exprès. J'espère que ça l'aura bien humilié comme ça. Il comprendra la leçon ou pas. Est-ce que vous avez quelque chose? Bon, j'ai le même avis que vous.
Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette news? Non, je pense qu'on a tout dit. Oui. Très bien. Alors, bon, bah alors, bon, c'est fini pour les news. Ça a été très rapide. N'hésitez pas à partager votre avis à vous sur ces news. Voilà, vous dites vos avis, quoi. Si vous êtes pour, si vous êtes contre, voilà. Vous parlez de notre très bon Roman Reigns. Et voilà, donc on sera tout ouïe et tout visuel. Je ne sais pas si ça se dit pour vous lire. Donc voilà. Alors, on va passer pour la prochaine rubrique qui est pardon, le débat. Donc, on se retrouve après la pub. Et on se retrouve tout de suite sur le débat du coup. Et le débat du jour, surtout le débat de la semaine, est pour ou contre le retour d'un deuxième titre mondial. Alors, d'après les informations d'Axel, lors d'une conversation Skype, il nous aurait déclaré, enfin, que la WWE aurait déclaré logiquement que le match Ambrose Rollins, c'est ça, serait considéré comme le WWE Champion et pas pour le World WWE Champion. Voilà. Et ça pourrait nous faire sous. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on T'as un rigole? peu tout dit dans le désordre, mais c'est pas grave. Oui, bon. Bref. Et ceci nous pourrait nous faire croire que il y aurait un autre titre, le World Heavyweight Champion sûrement, on ne sait pas, qui pourrait venir. Alors j'aimerais avoir vos avis dessus, et on va commencer par toi Axel, parce que soi-disant j'ai tout dit dans le désordre. Oh, la petite vengeance. Non, parce qu'en fait, ils l'ont annoncé en tant que WWE Champion et au lieu de WWE World Heavyweight Champion. Et c'est pas World WWE Heavyweight Champion ou je sais pas ce que t'as dit. Bref. Donc, pour ce débat, alors pour ou contre le retour d'un deuxième titre mondial, je trouve que c'est une question intéressante. Donc, je vais d'abord donner les arguments pour et ensuite je donnerai les arguments contre. Le premier argument, c'est que tout simplement, on aura deux champions du monde. Évidemment, logique, j'ai envie de vous dire. Ce qui permettra évidemment de mettre en avant deux fois plus de lutteurs. Il y aura donc deux champions. Il pourrait y avoir une top star d'un côté du côté de Raw et un catcheur un peu plus jeune qui a moins d'expérience en tant que champion du monde du côté de SmackDown, par exemple. Donc vraiment, le fait d'avoir deux champions du monde, ça permet de faire beaucoup plus de rotation dans les changements de titre et d'avoir deux fois plus de champions du monde et donc de mettre en avant les jeunes. Et je pense que ça va être une très bonne chose pour tous les jeunes justement qui arrivent. Ce serait vraiment un point positif. Ensuite, le deuxième argument pour, c'est que si on n'a pas le retour de deux titres mondiaux, on aurait un champion du monde qui naviguerait entre Raw et SmackDown de mois en mois, parce qu'on sait que la WWE va avoir deux pay-per-view par mois, un pay-per-view consacré à Raw, l'autre à SmackDown, et évidemment, on ne pourrait pas avoir un pay-per-view qui a une défense pour le titre mondial et un autre pay-per-view d'une autre brand qui lui n'a jamais de défense de titre pour le titre mondial parce que cette propre brand n'a même pas de titre mondial. Donc si on n'avait qu'un seul champion du monde, il aurait été obligé de naviguer entre les deux et ça j'étais vraiment contre ce truc-là parce que le principe du brand split c'est que telle superstar est dans tel show et elle bouge pas, elle a pas le droit d'aller ailleurs quoi, voilà, elle s'occupe de son show et c'est tout. Et ça n'aurait pas été respecté ce principe si le champion du monde avait le droit d'aller dans tel roster, ça aurait été du grand n'importe quoi et je ne voulais absolument pas. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une bonne chose pour les deux titres mondiaux, ça va éviter ça. Et ensuite, le dernier argument pour que j'ai trouvé, c'est que souvent, et bah même les derniers mois là, on était tous déçus d'avoir Roman Reigns en tant que champion du monde. Enfin, je dis tous, hein, j'exagère, mais une grande majorité des fans, je pense qu'on est d'accord pour le dire, n'ont pas été satisfaits du règne de Roman Reigns, ont été très déçus et se disaient, ah, c'est quoi ce champion du monde là? Voilà, il n'a pas la tête d'un champion du monde, il le mérite pas, nan nan. Donc bon, après, ça c'est un autre débat, hein, on n'est pas là pour discuter de ça. Mais c'est un exemple. Et bien justement, le fait d'avoir deux titres mondiaux, ça permettrait par exemple, dans cet exemple, d'avoir peut-être un Roman Reigns du côté de Raw qui nous divertit pas, que l'on n'aime pas en champion du monde. Mais par contre, avoir une deuxième ceinture de champion du monde à SmackDown, ça nous permettrait d'avoir un deuxième lutteur qui lui fait un meilleur règne et qui va un petit peu réconforter notre mécontentement envers Roman Reigns. Donc on aurait un deuxième champion qui lui
voilà, nous plaît, on l'aime bien en tant que champion, et du coup ça nous fait un petit peu oublier ce qui se passe du côté d'Euro. Donc voilà, donc ça peut nous aider aussi à oublier certaines choses, donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir deux champions du monde. Maintenant on va passer du côté des arguments contre, parce que oui, il n'y a pas que du bon non plus dans tout ça, même si moi, on verra mon avis final après, mais je suis totalement pour le retour d'un deuxième titre mondial. Les arguments contre, le premier, c'est que évidemment le titre mondial va perdre de l'importance parce que jusque-là on avait un seul champion du monde. Celui qui était champion du monde était l'image de la compagnie. Il n'y avait que lui. C'était vraiment le champion du monde. Donc là, au point de vue de l'importance du titre, on était au top. Si on ramène deux titres, évidemment le titre va perdre de l'importance. Évidemment, ce ne sera plus l'image de la fédération parce qu'il y aura un autre champion du monde dans l'autre brand. Donc voilà. Pas la même importance évidemment, mais malgré que ce soit un argument contre, je trouve pas ça non plus énormément gênant, mais bon, il faut le citer quand même. Et ensuite, le dernier argument contre que j'ai, c'est que c'est un petit peu incohérent parce que dernièrement, la WWE déjà nous a unifié les titres à TLC 2013 et là on l'a gardé combien de temps le titre? Bah, 2013, on est en 2016, voilà, au bout de 3 ans, ça y est, on oublie déjà toute cette histoire. On retire l'unification et on ramène le titre en poids lourd. Alors je dis ça, ce sera peut-être pas le titre poids lourd d'ailleurs, mais je dis ça comme ça. Mais en tout cas, on va ramener certainement, très probablement, une deuxième ceinture mondiale. Donc un peu incohérent. Le titre, le nouveau titre qui a remplacé les anciens deux titres mondiaux s'appelle, salut Louis, le WWE World Heavyweight Championship. Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, ce titre devient le WWE Championship. Voilà, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas d'histoire. Vraiment incohérent, surtout quand on sait que sur la ceinture, c'est gravé vraiment dedans, World Heavyweight Championship. Eh ben non, ça on oublie, c'est écrit sur la ceinture, mais ça n'est plus la World Heavyweight Championship, c'est que le WWE Championship. Voilà, du jour au lendemain. Donc un peu incohérent, malgré que moi personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça, mais bon, il faut le citer, c'est vrai. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour conclure, je vais donc dire que oui, il faut un deuxième titre mondial. Pour l'argument principal, je trouve, il y en a même deux, c'est que ça va éviter aux champions du monde de naviguer entre les deux brands. Parce que si vraiment, croyez-moi, si vraiment c'est ça que nous aurons eu, on aurait vraiment été déçus de cette brand extension parce qu'on aurait trouvé ça n'importe quoi. Le champion, voilà, on a une rivalité du champion qui est à Raw. Un mois après, il s'en va à SmackDown, il fait une rivalité avec un tel. Après, il revient à Raw. Ça aurait été du grand n'importe quoi, j'étais vraiment contre ça. Et puis en plus, ça va permettre de mettre en avant plein de jeunes. Donc voilà, pourquoi s'en priver? Donc totalement pour. Quelle dissertation que tu nous as fait, hein. Oh là là, avec synthèse et tout, en tout cas bravo. Ça va être dur de trouver quelque chose à rajouter sur ceci, mais bon, voilà, en fait, bah, on va donner à toi, Guillaume, bonne chance. Honnêtement, Axel a tout dit. J'aimerais juste rajouter que bah, s'il rajoute un deuxième titre mondial, je pense pas qu'il l'appellerait le WWE World Heavyweight Champion. Ils auraient dû garder ce nom pour le titre principal. Et trouver un nouveau nom pour un deuxième titre mondial parce que, comme l'a dit Axel, c'est gravé sur la ceinture. Si tu changes la ceinture, ça se verra et ça fait con parce que tu l'as changé il y a un an, tout juste. Non, il y a 2 ans, pardon, excusez-moi. Donc ça le fait pas. Et à côté de ça, bah, l'autre problème, c'est que SmackDown, s'il n'a pas de titre mondial, sera aussi désavantagé parce que on a cette image depuis quelques années de Raw qui a le titre mondial et tout le monde regarde Raw parce que bah justement c'est le titre qui est censé montrer que t'es le meilleur. S'il n'y a pas de titre mondial à SmackDown, ça veut dire que ok t'es à SmackDown, c'est pas que tu pues, mais d'un autre côté t'es pas parmi les meilleurs à Raw qui ont une chance pour le titre. Donc ils ont vraiment besoin d'un deuxième titre mondial. Je sais pas comment ils vont l'apporter, peut-être un tournoi pour qui sera annoncé à Brand Split. J'y crois honnêtement, je pense qu'ils vont rajouter un deuxième titre mondial. Après, le côté qui me dit que je suis contre, c'est que je sais pas s'ils vont arriver très ça le booker. Ils ont une terrible histoire de booking de titres mondiaux, surtout ces dernières années où le roster était faible, l'utilisation était mauvaise et que bah, les titres étaient bah, très peu prestigieux et que bah, notamment le titre World Heavyweight Champion, qui est un des plus vieux et un des plus prestigieux, et bah, au final c'était limite un titre secondaire. J'ai vraiment peur que s'il ramène un deuxième titre mondial, tout soit concentré sur WWE et que le deuxième de SmackDown serait sous-utilisé.
Donc, ça me fait aussi peur, mais je suis totalement pour. Ça peut mettre en lumière de nouvelles superstars qui le méritent, comme Bray Wyatt, qui sera un très bon champion mondial, mais qui n'aura jamais sa chance avec le titre WWE. Alors, j'espère vraiment qu'ils vont créer un nouveau titre mondial. Ah, il y a quelque chose que je t'interromps, et Thibaut partage ce même avis, et je comprends pas. Après, bien sûr, c'est un avis, c'est respectable. Bray Wyatt champion, mais c'est peut-être la chose la plus incohérente qu'ils peuvent faire. C'est Quoi? incohérent de mettre Bray Wyatt champion, parce que Bray Wyatt, il a son gimmick, et son gimmick de base, c'est le mec mystérieux qui s'en fout de tout. Lui, la seule chose qu'il veut faire, c'est faire chier le monde. Et il le fait très bien, même s'il ne réussit pas. Mais voilà, son gimmick de base, c'est de quoi? C'est d'attaquer les gens, de faire des trucs du genre. Et ce titre, mais ne lui, il s'en fout contrairement. Ça serait. Voilà, c'est le genre de mec à dire, ouais, moi, je m'en fous de ce titre, c'est pas ce que je veux. Et mettre Bray Wyatt champion, c'est ce qui peut avoir de pire. Mais ça peut être un des pires champions et même gâcher ça. Peut-être pas gâcher, j'irais peut-être loin, mais. Pas loin de là, gâcher sa carrière parce que c'est. Si Bray Wyatt devient champion et qu'il est très. Si Bray Wyatt devient champion, il y a déjà de fortes chances qu'il soit très mal utilisé et que son homme mystérieux ne va pas très bien. Enfin, n'ira pas bien. Et en plus de faire un règne de merde, il fera quoi? Son gimmick sera totalement gâché et du coup, il n'aura plus rien à faire et il sera enterré. Voilà, c'est ça. Et c'est totalement incohérent de mettre Bray Wyatt champion. C'est ça que je comprends pas. Alors, je sais que c'est pas le débat, mais je vais juste répondre très rapidement. Pour moi, ce serait un très bon plan parce que Bray Wyatt est là, non pas pour dire je prends pas les couilles de ton titre, gros, je suis juste là pour te détruire, mais justement, il est là pour dire, mec, je suis là pour tout détruire, ta vie est merdique. Il l'a dit contre New Day en mode, vous prêchez l'esprit de positivité, d'accord, moi je suis là pour vous dire, la vie est dure, les mecs. Et quoi de mieux que d'être à l'avant de tout avec ce titre en disant, ok, j'ai ce titre, tu veux venir le prendre, mec, je vais faire de ta vie un enfer et je vais le montrer devant tout le monde parce que tout le monde va nous regarder. Pour moi, ce serait une bonne idée de lui mettre ce titre mondial, enfin, un titre mondial, parce que justement, il serait mis en avant comme non seulement le Eater of World, le mangeur des mondes, mais aussi le mec qui, peu importe là où il va, il est destructeur au point de gagner le titre mondial, peu importe qui est en face. Pour moi, ce serait une très bonne utilisation de Bray Wyatt. Tout le monde dit, ouais, mais il s'en fout, le mec est juste là pour dire, il n'a pas vraiment de gimmick à part dire, ok, je suis juste le nouveau visage de la peur, mais au contraire, pour moi, ça développerait une belle gimmick en disant, d'accord, ce titre, c'est une chance pour moi de prouver à tout le monde que leur vie est pourrie, parce que je suis le champion, ils peuvent rien faire à propos de ça. Donc voilà, D'accord. c'était juste pour clore le débat. Ça fera peut-être un débat d'un prochain podcast, Non. mais je pense qu'il ferait un très bon champion, mais on gardera ça pour plus tard. Ok, alors j'ai une question à vous poser parce qu'on en avait parlé lors du live de la Brand Extension, qui date d'un mois de cela, oui, bien un mois. Et on avait dit pourquoi pas justement, au lieu de mettre ce titre mondial, pourquoi pas mettre le titre intercontinental de l'autre côté et de le mettre au main event de SmackDown? Ça serait un bon plan, ça mettrait bien en avant le titre intercontinental, et ça mettrait aussi en avant le titre des États-Unis. Mais le problème, c'est qu'il y aura toujours les fans, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ceux qui vont dire non, le truc c'est un truc secondaire. Si le titre secondaire est le titre majeur de SmackDown, c'est pas sérieux. Donc il y aura toujours ces gens pour dire non, c'est un titre secondaire, je vais pas le prendre au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle je vois pas la WWE mettre le titre intercontinental ou le titre des États-Unis en titre majeur pour SmackDown pour Raw. Parce que justement, les fans seraient là en mode c'est un titre secondaire pour un show secondaire, je vais pas le regarder. D'accord, très bien. À toi, Axel. Bah pour le coup, je pense que ouais, je pense que Guillaume a raison. Je pense qu'il vaut mieux ramener une deuxième ceinture mondiale et garder ce titre intercontinental qui, ces dernières années, n'a pas. On peut pas dire que c'est un titre de merde, qui n'a pas de prestige. Il a été quand même porté par de grandes superstars. Là, il est actuellement porté par The Miz. Il y a eu Kevin Owens, il y a eu Ryback, bon même c'est pas le bon exemple. Mais voilà, je pense que Kevin Daniel Bryan. Owens, The Miz, etc. nous offrent de très bons matchs. Le dernier Fatal 4-Way qu'on a eu, on a de très bons challengers. Il y a vraiment du potentiel. Ça permet
ce titre permet quand même de garder une très bonne mid-card, donc c'est ce qu'il faut. Et voilà, je pense que en titre entre guillemets mondial, ça n'aurait pas été une mauvaise idée non plus de mettre ce titre intercontinental, mais personnellement, je préfère quand même qu'il ramène un titre mondial parce que ça va permettre de rester sur le pied d'égalité des deux titres mineurs, donc le titre des États-Unis et le titre intercontinental, qui resteront chacun de leur côté dans chacune de leurs brands, et c'est pas plus mal comme ça, je pense. D'accord, très bien. D'accord. Alors moi, je tiens à dire, oui, je suis un peu du même avis. Après, voilà, peut-être que ça peut être pas mal aussi, parce que ça permet d'introduire un peu l'intercontinental, pas de faire introduire un titre comme ça, quoi. L'intercontinental, je pense pas qu'ils peuvent introduire le titre directement à SmackDown comme ça, le titre mondial. S'ils te l'introduisent, ils te l'introduiront pas directement. Ça, je pense pas. Donc, c'est possible. Après, voilà, comment ça va se passer pendant ce temps, ce qu'ils vont faire avec les titres et tout ça. Et donc voilà, bah d'ailleurs, on va vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que si le titre ne venait pas à venir venait à venir les mois après la sortie de cette brand split, comment ils compenseront ce main event? Vas-y, Là, Guillaume. c'est difficile parce que ça dépend de leur utilisation des superstars. Pour moi, ils pourraient aussi bien faire des très très grosses rivalités pour le main event, ce qui pourrait combler le main event pendant quelques mois. Si ta rivalité est bien très bien forgée, il n'y a pas forcément besoin de titre derrière pour donner un enjeu. Ça a été prouvé par le passé, le titre n'est pas une nécessité pour faire une bonne rivalité. Donc, ils peuvent toujours mettre un main event exclusif sur la storyline et non sur le titre, c'est pas un problème. Mais SmackDown aura quand même besoin d'un titre majeur pour être mis au moins à la même hauteur que Raw, parce que concrètement, je pense pas qu'ils mettraient le titre mondial à SmackDown et laisser Raw sans rien, parce que Raw a beaucoup plus de viewers que SmackDown de base, et même après la brand split, ce sera comme ça. Raw aura le titre mondial, et si SmackDown n'a rien, ils devront la jouer sur les storylines, mais ils devront trouver quelque chose pour avoir au moins un équivalent au titre mondial. D'accord, très bien. Axel. Franchement, je vais rien ajouter, Guillaume, a tout dit. J'ai rien à ajouter là-dessus. D'accord, bon, bah très bien. Vous n'avez rien à rajouter en général? Non. Non, non. D'accord, on va passer du coup pour la prochaine rubrique qui va être le top 5. Et en l'occurrence, ce sera le top 5 de nos entrées préférées. A tout de suite. Et on se retrouve pour le top 5. Alors, ça va être le top 5 de nos entrées préférées. Donc, on va commencer par le numéro 5 de Guillaume. Pour moi, ma cinquième entrée préférée, c'est celle du Shield. Tout y est. La musique est juste tellement badass la première fois que tu l'entends avec le Sierra Odelita, Echo Lima Delta, Shield. Et là, t'entends le bon gros son lourd, bien badass qui sort. Et tu vois les trois mecs descendre les escaliers en plein milieu du public. C'est badass. Ça rend très très bien. Et ça rentre très bien dans leur gimmick. Comme quoi, bah, on est heal, mais on rentre quand même par le public parce que. Tu sais quoi, on s'en fout, si tu me touches, je te déglingue. Pour moi, c'est une entrée qui allait très bien avec leur gimmick et que c'est juste une entrée tellement badass qu'elle rentre dans mon top 5. Axel, je t'en prie. Pour moi, à la cinquième place, ce sera l'entrée de Edge. Alors, il y a peut-être un petit peu de subjectivité parce que je suis un très grand fan de Edge également. Mais vraiment, la musique, déjà, que j'aime beaucoup. La fumée qui commence à l'entrée. Après, on voit Edge apparaître qui traverse cette fumée. Ensuite, la pyrotechnie qui, je trouve, est tout simplement magnifique pour l'entrée de Edge. Et voilà, ses mouvements lorsqu'il plonge dans le ring, j'adore. Il monte sur les cordes, il fait ses petits gestes. C'est un lutteur que j'apprécie énormément. Et son entrée m'a vraiment marqué, notamment celle à WrestleMania 24. Bon, on n'est pas censé faire un top 5 des entrées les plus spectaculaires à WrestleMania, mais juste comme ça, son entrée à WrestleMania 24 en plein air avec la pyrotechnie, c'était vraiment magnifique. Et j'adore son entrée. Alors pour moi, pour mon top 5, j'ai mis Triple H.
parce que voilà, Triple H est peut-être ses entrées m'ont toujours marqué, surtout quand je regarde, quand j'étais jeune fan, ça a toujours été marquant. Et en plus, c'est peut-être un des seuls catcheurs. Bon, là, je vais sortir un peu, mais un des seuls catcheurs où ses entrées à WrestleMania sont les plus travaillées. Et voilà, c'est pour ça que, honnêtement, j'adore son entrée de base. Et c'est pour ça que j'ai mis en numéro 5. Personnellement, pour mon numéro 4, j'ai choisi un catcheur de la NXT. Évidemment, j'ai pris Finn Balor. Son entrée, non seulement en tant que démon, je vais passer très vite fait dessus, c'est pas le... c'est une entrée spéciale, mais son entrée de démon est juste. Elle te met la chair de poule quand tu la vois pour la première fois. La première fois que je l'ai vue, contrairement, j'étais bouche bée en mode. Entre la peinture, l'espèce de chorégraphie et en même temps que la musique, c'est juste génial. Et même sans le côté démon, on sent que le mec a. Accompagne le public dans son entrée. La musique, il joue pour beaucoup. Pour moi, c'est une des meilleures musiques qui a été faite pour un catcheur. C'est, pour moi, elle est très bien. Il y a la communion avec les fans à chaque espèce de refrain, je sais pas comment on peut dire. Mais pour moi, c'est l'une des meilleures entrées. J'ai hâte de l'avoir dans mes concerts. Pour moi, à la quatrième place, j'ai mis le Shield. Donc, ce que a mis Guillaume en cinquième place. Donc, je vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que c'est quand même très impressionnant de rentrer par le public. D'autant plus que leur début avait été très marquant. Et leur entrée est toujours restée par rapport à ce gimmick. Ce gimmick de justicier. Et c'était. Ils avaient leur style à eux. Et leur entrée leur correspondait très bien. Voilà, tout simplement. L'entrée par le public, c'est très original. Ça n'a pas été énormément utilisé, donc c'est. J'ai que le Sandman qui me vient à l'esprit pour rentrer par le Artrousse. public. Airtruth aussi également à ses débuts, c'est vrai. Je sais pas si Oh c'est la un bon exemple, vache! Ah mais. oui! Mais Putain! voilà. Pour mon top 4, moi j'ai mis The Undertaker parce que voilà, c'est une entrée juste géniale, bien stressante, bien tout. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon numéro 4. En numéro 3, j'ai mis Edge, la Rated R Superstar, parce que je vais pas redire tout ce qu'a dit Axel, mais la musique, la pyrotechnique, pour moi, c'est un des premiers catchers que j'ai commencé à regarder à la télé. Et quand j'ai vu la pyrotechnique, j'étais là en mode waouh, c'est trop classe! Et juste rien que son entrée, tu connais le personnage, et c'est ça qui est fort avec Edge et son entrance. Pour moi, à la troisième place, pardon, j'ai placé Shawn Michaels. Shawn Michaels qui est, je pense que vous le savez, une des superstars, même la superstar que j'apprécie le plus, celle que j'ai toujours admirée, pour son entrée également, parce que là aussi, la pyrotechnie est présente. Il y a toute une série de mouvements aussi qui sont un classique de Shawn Michaels. Quand il arrive, les bras écartés en tournant sur lui-même, ensuite il se met à genoux, il met ses bras en signe de croix en regardant le ciel, la pyrotechnie qui explose, il rentre sur le ring, après il fait son petit mouvement en montrant ses muscles, etc. Bref, c'est toute une série de mouvements qui est rentrée dans l'histoire, qui est également rentrée dans mon esprit. Ouh là là, que c'est joli. Et voilà, j'adore cette entrée. Et voilà. Moi, pour numéro 3, j'ai mis comme Guillaume, j'ai mis Edge parce que voilà quoi, c'est un catcheur déjà que j'adore et que son entrée était juste très travaillée et très bah, vraiment très très kiffante. Voilà, moi j'adorais l'entrée d'Edge, donc c'est pour ça que je l'ai mis au numéro 3. En numéro 2, moi j'ai mis The Game Triple H. C'est pour moi une des meilleures entrées parce que. Ça représente très bien aussi le gimmick de Triple H de Game avec la musique très badass jouée par Motorhead. L'entrée mais tellement iconique, aux premières notes tu sais ce qui va arriver et tu peux faire l'entrée exactement en même temps que lui. Tu la vois à chaque fois et tu la connais par cœur avec la projection d'eau, les spots montrés par en dessous pour bien montrer genre le côté creepy du mec quand il est encore sur la rampe. C'est très bien chorégraphié et c'est une des entrées parmi les plus badass. D'ailleurs, Phil n'a jamais craché de l'eau en pensant à Triple H. J'avoue, tout le monde l'a fait, c'est obligé. Ou boire une canette comme Stone Cold, ça c'est pareil.
Non, ça tu dois être le Non, seul, je là, tu étais t'assure. tout seul, ouais. Ah, d'accord. Non, bon, du coup, moi ça va pas être très original parce que j'ai exactement le même top 2, c'est Triple H. Voilà, tout l'éclairage en vert, déjà, c'est très classe. Quand tout s'allume en vert, on sait que c'est Triple H qui arrive. Bien qu'aujourd'hui ce ne soit plus trop le cas, mais ça, il est longtemps resté sous le thème du vert. Comme tu l'as dit, les lumières multicolores sur son visage, le crachat de l'eau, un grand classique. C'est vrai que lorsqu'on voit quelqu'un cracher de l'eau de la sorte, on pense directement à Triple H, c'est rentré dans l'histoire. N'empêche, je ne sais pas où Triple H s'est dit un jour, tiens, mon entrée, je vais boire de l'eau, je vais monter sur le ring, sur le bord du ring, et je vais la cracher et je vais faire des grimaces cheloues. Bon, après, voilà, faut trouver son entrée, après tout, c'est original. Mais bah, n'empêche que ça a marché, puisque aujourd'hui, on le place à la deuxième position de notre classement de nos entrées favorites. Alors, j'ai même limite peur de le dire. Ah oui. Seul Axel me comprendra. Non, mais pourtant, alors, pour mon top 2, j'ai choisi l'entrée de Boogeyman. Pourquoi? Parce C'est que original au j'ai. moins. Ah oui, bah oui, mais c'est une entrée que j'ai kiffée, qui faisait peur. Ah Et oui. Boogie, qui veut dire croque-mitaine, hein, Boogeyman, voilà, ça correspondait vachement au thème et tout, c'était. Et malheureusement, on l'a pas beaucoup vu, voilà. Et c'est ce que je trouve très dommage, parce que c'était vraiment quelqu'un. Dommage qu'il n'était pas hyper crédible, mais c'était vraiment quelqu'un qui te mettait les frissons dans l'entrée et tout. C'était toute une démarche. D'ailleurs, Royal Rumble 2015 en était le cas aussi, hein. Il a vraiment une démarche et tout, vraiment spéciale. Et c'est pour ça que j'adorais. Il s'écrase d'une Non. horloge sur la gueule quand même. Ouais, mais c'est. Bah Il attends, bouffe des Triple H, il verres. crache de l'eau, hein. Donc s'il te plaît, hein. Ouais, C'est bon, sûr. on va pas rentrer dans un débat Triple H contre Boogeyman parce que bon. Donc voilà, donc moi j'ai choisi pour mon top 2. Et moi pour mon top 1, bah, je pense que c'est pas un secret pour tout le monde. Hein. Je pense quand on pense à des grandes entrées, on doit penser probablement à lui en premier, c'est l'Undertaker. Au premier gong, tu sais que une légende va arriver dans le ring et cette entrée est devenue tellement, mais pareil, iconique. La longue marche vers le ring, très lente, très Oh non, méthodique, avec pas la. longue. Non, pas du tout. Non, Et pas du tout. non, son entrée à WrestleMania fait 20 minutes. Bon, ça va. J'avoue. C'est plus long que le match du Rock. Et c'est à chaque fois, c'est juste iconique avec l'arrivée sur les marches où il allume la lumière avec ses mains, où il enlève le chapeau slash capuche avec le trait sur le front, avec les yeux blancs, les yeux révulsés. C'est juste tellement iconique, c'est une des entrées qui a marqué mon enfance, et qui c'est juste quand t'es fan de catch, tu connais l'entrée d'Undertaker et elle est immanquable. Et même quand t'es pas fan, tu connais au moins le personnage et au premier gong, tu sais que c'est lui, même si tu connais pas forcément le catch. Alors, moi, je vais avoir le même top 1, donc je vais pas avoir grand-chose à dire. Ce qui n'est pas le cas de Louis, par contre, qui n'a pas mis l'Undertaker, et c'est une honte, et j'ose le dire. Non, parce que je pense vraiment que si on demande aujourd'hui à quelqu'un qui a suivi le catch dans les années 2006 à 2009, genre la période où c'était vraiment très à la mode, et qui ne regarde plus aujourd'hui, mais qui a encore quelques souvenirs, je suis sûr que si on lui demande, c'était quoi, selon toi, le catcheur qui avait la meilleure rentrée? À tous les coups, il va te sortir l'Undertaker. C'est vraiment une entrée qui a marqué tous les esprits parce que déjà, bah, comme tu l'as dit, Guillaume, elle est très longue. Voilà, ce pas lent avec les flammes, etc. Les yeux blancs. Qui n'a jamais essayé de retourner ses yeux pour faire pareil? Non, je suis pas tout seul. Non. Non, non, Non. t'es pas tout Non. seul. On faisait même le pouce autour du cou. Non mais voilà, il y a plein de choses dans cette entrée qui font qu'on s'en souvient. Il y a surtout la lenteur. Et on savait que quand le gong retentissait, c'était l'Undertaker, et que là, on en avait pour 20 minutes avant qu'il arrive sur le ring, et ça, c'était cool. Alors pour moi, mon top 1, j'ai choisi l'entrée du Big Show. Non, je rigole. Pour mon top 1, En second. Non. Alors moi, je vais réagir d'abord à votre truc, parce que vous dites, oui, c'est une honte, t'as pas mis l'Undertaker, t'es qu'un connard, tu mérites pas de. Ah oui, ça, on a dit tout ça. Crève la bouche ouverte. Voilà, mange les vers de Boogeyman, ou les vers que t'as dans ton. Bon, bref. Pourquoi j'ai pas mis l'Undertaker? Enfin, je l'ai mis dans mon top 4, ce qui est déjà un grand mérite pour lui qu'il soit dans mon top 5. Moi, je me base pas sur ce qu'il y a, les entrées iconiques ou tout ça, même si c'est une entrée très marquante qui m'a marqué,
qui a marqué mon enfance et tout. Ce n'était pas, voilà, c'est une très bonne entrée, certes, mais je ne la considérais pas pour mon entrée préférée. Et ceux qui ont plus suivi le catch, eh ben, tant pis, hein, eux, ils connaissent pas beaucoup de monde, ils connaissent que catcheurs qui ont marqué, donc bref, voilà. Moi, j'ai choisi l'entrée de Shawn Michaels, parce que déjà, c'est très subjectif, parce que déjà, c'est mon catcheur préféré. Et que aussi, voilà, c'est vraiment une entrée vraiment très symbolique. Ça représente tout à la fois. Déjà, voilà, l'effet de la pyrotechnie, tout, de la croix et tout, voilà, c'est vraiment une entrée vraiment très allégorique, comme on pourrait dire, très iconique et tout ça. Et voilà, c'est pas trop lent, c'est pas trop court, c'est vraiment une entrée que moi j'ai toujours adoré regarder. Dans les WrestleMania, c'est toujours passionnant. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui sait te mettre dans le bain d'un match rien qu'avec cette entrée. Parce que l'Undertaker, moi j'adore, voilà, mais voilà, Shawn Michaels a vraiment cette façon de te mettre comment on peut dire, en forme, quoi, de te réveiller un peu, de dire ouais, voilà, quoi. Et donc voilà, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 1. Donc voilà, c'est terminé. N'hésitez pas vous Quoi? aussi à nous donner votre top 5 dans les commentaires, ça nous intéresse. Oui, ça nous intéresse, tant que vous ne Je mettez pas The Undertaker en top 1. suis étonné qu'il Oh. n'y ait pas eu Bray Wyatt. Ah oui, c'est vrai aussi, ouais. Bray Quoi? Wyatt ou Daniel Bryan, C'est tiens. un. Ah non, Daniel Ouais, Bryan, non. Mais Daniel Bray Bryan Wyatt, pour ouais. l'inspiration envers les fans, parce que chaque fois qu'il arrive, c'est juste du guessing pendant 5 minutes non-stop. Pareil pour Rey Mysterio, hein, c'est surprenant. Et aussi, j'aimerais revenir sur le coup du. On demande à n'importe qui a regardé le catch à la grande époque. Le mec va dire que sa meilleure entrée, c'est Undertaker. Sauf si le mec, c'est un Marc. Il va dire Jeff Hardy, à peu près sûr. Ça, je pense que vous pouvez tester si vous avez des amis qui ont regardé le catch et qui ont arrêté. Mais honnêtement, ça doit jouer entre Jeff Hardy et Undertaker. À moins que ce soit un Rey Mark Henry. Mysterio. Ouais, non. Bon. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à partager vos top 5. On sera tous hâte à vous le lire. Et je rigole, bien sûr. Hein, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. On sera toujours tout ouïe à vous écouter. Enfin, surtout à vous lire. Bon, bah, on va passer à la prochaine rubrique qui est la question des fans. Mais avant, je voulais réagir à un petit truc. Je voulais vous dire aussi que n'hésitez pas à partager vos thèmes de top 5 que vous voudrez voir. Comme ça pourra nous donner des idées. Et on n'hésitera pas à citer la personne qui nous aura donné une bonne idée, enfin une idée qu'on aura choisie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager votre idée. On sera vraiment toutes oui à le savoir. Et du coup, pardon, pour la question des fans. À tout de suite après la pub. Donc, on se retrouve pour la question des fans. Et on va commencer par la première question qui est de Florent. Est-ce que Nakamura serait apte à rentrer dans ce main roster? Alors, je vous en prie tous les deux. Comme tu veux. Bah, je vais commencer si tu veux. Donc déjà merci à Florent pour sa question. Nakamura, c'est bizarre, mais moi j'ai du mal à l'avoir dans le roster principal. C'est vraiment un lutteur qui a son style à lui, qui a vraiment un style de catch très particulier. Et je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal à le voir affronter certains lutteurs. On a du mal à le voir dans certaines rivalités. Moi-même, j'ai du mal à le voir champion à l'NXT. Vraiment, il me fait un peu penser à un Brock Lesnar. Voilà, pour vous donner un exemple un petit peu. C'est un petit peu bizarre ce que je vais vous dire, mais il a vraiment son style de catch assez brutal, je trouve. Moi, je suis pas un très grand fan de Nakamura, donc là, je sais que je vais pas me faire des amis, mais voilà, je trouve pas qu'il a un catch non plus hyper développé, hyper magnifique, même si je sais qu'il est très apprécié de beaucoup de personnes et très respecté pour son catch. Je dis pas qu'il est nul dans un ring, loin de là. Mais voilà, il reste très brutal et c'est tout ce que je retiens de son catch. Il y a rien qui m'a vraiment abasourdi. De ce fait-là, je vois pas les rivalités vraiment qu'il pourrait avoir dans le roster principal. Je ne vois pas comment il pourrait l'intégrer. J'ai du mal à le voir champion dans le roster principal également. Enfin, l'avenir de Nakamura, en fait, j'ai l'impression qu'il peut nous sortir de très grands matchs, des matchs légendaires face à des grands adversaires, comme il va le faire certainement face à Baylor dans le prochain épisode de NXT.
Mais après, à part des très grandes rivalités avec certaines superstars, j'ai du mal à le voir lutter en fait chaque semaine contre des mid-carders ou contre même des jobbers, ça se trouve. Voilà, j'ai l'impression que c'est un catcheur qui devrait être part-timer. Enfin, c'est bizarre cette image que j'ai. Je sais pas ce que va penser Guillaume de ça, mais Nakamura, il a son style et je me répète, mais j'ai du mal à le voir face à n'importe qui en fait. Pour moi, Nakamura a un style brutal, mais toujours adapté à WWE. Ah, je trouve pas moi. Il va pas te péter les côtes à la Brock Lesnar. Pour moi, il est toujours plus que Lesnar. Il peut très bien s'adapter. Il s'est très bien adapté à NXT. Comme tu l'as dit, il n'y a rien à retenir. Enfin, t'as dit que t'as pas retenu grand-chose de son catch. Justement, s'il était vraiment brutal et que le mec te pétait des dents, t'aurais retenu que le mec était trop violent pour le main roster. Donc pour moi, justement, c'est un bon signe. Si Il est trop t'as. violent pour le main roster. Pas pour moi. Pour moi, il a montré à NXT, notamment TakeOver Dallas, que. Le mec, même, il a prouvé face à Austin Aries à The End que peu importe le match, il peut sortir quelques moves très violents, mais à côté de ça, il est très safe. Il va pas te péter une côte, il va pas te péter des dents comme peut le faire Brock Lesnar avec des souplesses et avec des énormes droites et des coups de genoux dans les côtes. Il est très stiff, mais il est très sécure. Et c'est l'avantage avec Shinsuke, c'est très spectaculaire et. Mais il arrive à contrôler ses coups et quand tu lui mets des bons adversaires, notamment, je rêve, mais je déconne pas, je rêve de voir un match Shinsuke Nakamura contre Kevin Owens. Et je sais qu'il y en a eu un à Hawaii, je crois, et j'aurais payé pour y aller rien que pour le voir parce que ce match, c'est un 5 star. C'est. Les deux ensemble pourraient très bien travailler et c'est pour ça. Pour moi, son avenir dans le main roster, ça va être. Je sais pas à qui je peux le comparer, mais c'est le mec qui donne n'importe quel adversaire, soit il va ressortir en mode. Ok, les mecs, je suis le meilleur. Soit il va en ressortir en mode mon adversaire, il est très bon, alors qu'à la base, c'est genre Dolph Ziggler. Bonjour Axel. Et genre, pour moi, Nakamura a un grand avenir à WWE parce qu'une fois que Vince McMahon aura reconnu son talent, et apparemment, ça commence déjà à se faire, apparemment, il est en train de vraiment regarder ce que Nakamura fait et il s'est très bien adapté à la NXT. Il a supprimé quelques de ses moves les plus violents. De son moveset, mais à côté de ça, il reste quand même stiff. Le King of Strong Style est toujours là, mais très safe, toujours. Pour moi, son avenir au main roster est sûr et certain d'être beau. Pour moi, il aura un avenir au moins comme Kevin Owens, voire plus. Kevin Owens va bientôt, je pense, bientôt partir dans le main event parce qu'il n'y a plus grand chose à faire dans le mid-card. Et je pense que Nakamura, une fois qu'il arrivera. Il pourra pas rester longtemps dans le mid-card, il va très vite partir dans le main event avec notamment avec un brand split comme il va arriver. Il aura énormément d'adversaires à affronter et il va briller et je pense que tout le monde va le reconnaître comme une des top stars. Certains disent qu'il n'est pas fait pour la WWE. Pour moi, je pense qu'il s'est très bien adapté, que ces matchs et NXT l'ont prouvé. Il peut être très spectaculaire tout en restant très safe et. Je pense qu'il a un très beau futur à deux. Je D'ailleurs, pense. juste un. Bah vas-y, je t'en prie, j'en parlerai après. J'ai juste un dernier truc pour rebondir sur ce qu'a dit Guillaume. Moi, je pense vraiment que Shinsuke, justement, va avoir un avenir beaucoup moins prometteur comparé à ce que les fans attendent. Je pense vraiment que Shinsuke n'a pas le profil que Vince attend pour un main eventer, pour un futur champion du monde. Et j'ai vraiment l'impression que ça va être un gros flop en fait dans le roster principal. J'espère me tromper évidemment, mais c'est ce que je vois en essayant de me projeter dans l'avenir en fait. Ce qui me fait dire que ça pourra pas être un flop, c'est que le mec est impossible à avoir de mauvais matchs. Le mec, même si tu donnes un match de 5 minutes, il va tellement briller que c'est impossible de pas le voir. Et Vince McMahon va devoir le remarquer au bout d'un moment. Pour moi, c'est pas seulement un des meilleurs catcheurs qu'on ait, parce qu'on a eu quand même Daniel Bryan, on a eu des CM Punk qui sont restés très longtemps très bas dans le roster. Et le mec, il a tellement de charisme, les fans sont tellement derrière lui, et dans chacun de ses matchs, il brille tellement que c'est impossible de pas le voir. Tu commences NXT demain. Enfin, tu commences NXT dans 2 semaines, tu vois le match face à Finn Balor, tu fais ok, ce mec il a un avenir. Et c'est impossible de pas le voir en disant ok, c'est personne le mec, c'est impossible d'aller dans le main event. Je pense sincèrement que même Vince va devoir le remarquer et va lui donner sa chance. J'espère que je me trompe en tout cas.
D'ailleurs, il y a des gens, je sais plus où j'avais lu ça, mais bon. Il y a un mec qui nous dit, ouais, bah, moi, ce qui serait bien, c'est de mettre Nakamura contre AJ Styles. On n'a jamais vu ça dans tout le catch, tout. Et j'ai mis un commentaire comme quoi, non, 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 Nakamura a déjà eu un match contre AJ Styles à la New Japan Pro Wrestling, et c'est un match extrêmement marquant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous. Mais c'est vraiment le match clairement de Nakamura pour moi où j'ai dit waouh, c'est un énorme catcheur. Et ainsi que pour AJ Styles, même si AJ Styles était capable, voilà, j'ai vu vraiment aussi avant. Mais c'est vrai que moi, c'est le match qui a fait vraiment révéler Nakamura dans le catch. Pour moi, Nakamura, je le vois vraiment un peu comme AJ Styles Et là, il était et... barbare. Là, il était barbare. Il était bien plus barbare que. Voilà, c'est pas pour la WWE là où il était. Pour moi, il fera un peu à la Styles, sauf que un problème de Styles, c'est que il n'a pas le charisme derrière. Certes, il est connu pour sa carrière indépendante, mais derrière, il a un vrai problème de charisme que Shinsuke n'a absolument pas. Et pour moi, c'est ce qui va le sauver. Déjà, AJ Styles, on a pu le voir quand moi, il a atteint le main event. Pour moi, Nakamura aura à peu près le même futur que AJ Styles, mais juste en plus grand, je pense. Voilà. Sauf que AJ Styles, si je peux en venir, AJ Styles, je pense qu'il va gagner, il en gagne déjà un petit peu grâce à ça, il va gagner énormément de charisme face à John Cena, parce que John Cena est très bon à ça aussi, et il peut très bien faire développer le rôle d'un heel de AJ Styles, et ça va développer son charisme déjà. Bon, alors rien d'autre sur cette question? Non. Pour la deuxième question, on a une question de Favien, qui est, la question est... à quand le retour de The Undertaker, votre fameux top 1. N'hésitez pas, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et à vous l'honneur. Et bah sincèrement, j'espère qu'il va revenir au prochain WrestleMania parce que ce dernier match est toujours un des plus pourris de sa carrière, je pense, et que ça serait très dur. Ça me ferait très mal qu'il parte sur un si mauvais match, mais en tant que fan de Si l'Undertaker, mauvais? il était pourri le match. On en a assez débattu pendant la review de WrestleMania. Si vous comprenez pas de quoi on parle, allez voir la review de WrestleMania. D'ailleurs, bonne chance pour les 12 heures de vidéo. Mais honnêtement, ça me ferait très mal qu'il parte sur que son dernier match soit ce match à WrestleMania 32. Et j'espère qu'il va revenir, mais je pense pas. Vince McMahon. Il a coupé les points avec Vince McMahon, il est rentré chez lui, il a dit que c'était son dernier match, il a dit à Vince, et Vince depuis apparemment essaye de l'appeler et il ne décroche pas. Donc pour moi, ça annonce que le futur est très sombre pour l'Undertaker. Intronisation Hall of Fame, j'en doute pas, absolument pas, mais pour un nouveau match, je pense pas, et certainement pas dans un futur proche. S'il y a un match, ça serait peut-être d'ici quelques années. Et encore, ça m'étonnerait vu l'état physique de l'Undertaker ces dernières années. Alors moi, pour répondre à cette question, je vais revenir sur ce qui s'est passé dernièrement parce que pour moi, c'est un indice important, même si pour certains, ça paraît anodin et ça paraît être un truc qui n'a aucun rapport. Dernièrement, à Raw, on a vu Kane qui a fait son retour et qui a parlé vaguement de l'Undertaker. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, il a tout simplement donné à Shane McMahon une lettre de recommandation venant de l'Undertaker. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi une lettre de recommandation, nanana, qu'est-ce qu'elle disait cette lettre, etc. On n'en sait rien, vraiment, on a rien su là-dessus. Mais en tout cas, le nom d'Undertaker a été évoqué à la télévision. Il y a une lettre de recommandation qui a été donnée de la part de l'Undertaker. Et pour moi, l'Undertaker, c'est pas fini, il va jouer un rôle. Il n'aurait pas évoqué son nom à la télévision s'il était vraiment en mauvais terme avec la fédération et qu'il partait. Enfin voilà, ils auraient annoncé ça à WrestleMania. Enfin, je sais pas en fait quand les tensions, parce que je crois qu'il y a eu des tensions entre l'Undertaker, Vince McMahon, etc. Je sais pas quand vraiment ces tensions sont arrivées. Je crois que c'est après WrestleMania. À voir. Mais bon, je pense que ça va s'arranger. Ils vont résoudre leurs différends et puis ils vont bien trouver une solution. L'Undertaker ne va peut-être pas relutter, même si je pense que ce n'est pas terminé, parce que voilà, ça aurait été un petit peu bête d'organiser ce match. Et surtout que d'après ce que j'ai compris, l'Undertaker, il voulait faire perdre l'Undertaker, mais l'Undertaker n'a pas voulu, je crois. Je crois que j'avais compris ça Ah, après peut-être. WrestleMania. Et donc si l'Undertaker ne voulait pas perdre, c'est que peut-être il avait prévu de faire d'autres matchs après et que bah, il tenait quand même un peu à son image. Et c'est vrai qu'une défaite,
Voilà, ça suffisait peut-être, il n'en avait peut-être pas besoin de deux, surtout s'il voulait continuer au prochain WrestleMania. Donc je pense que on le reverra. Après, si ce n'est pas dans un ring et qu'il a terminé sa carrière, ce qui est possible également, hein, parce qu'à vrai dire, on n'a pas énormément de réponses. Mais en attendant, avec la fédération, je pense que ce n'est pas terminé. Il fera sûrement d'autres apparitions en contrat de légende, éventuellement s'il quitte. Il sera intronisé au Hall of Fame, ça c'est une certitude. Il y en a beaucoup qui se disent, ouais, mais l'Undertaker, ils sont toujours restés dans son personnage. Il faut pas qu'il apparaisse au Hall of Fame, etc. dans ce genre de cérémonie parce que ça va pas du tout avec son personnage. Là, maintenant, si vraiment sa carrière est terminée, on s'en fiche de son personnage. Il n'a plus de personnage, l'Undertaker. Enfin, je veux dire, si, c'est important parce qu'il faut quand même conserver son passé. Mais voilà, l'Undertaker, il ne reviendra plus jamais en tant que catcheur. Donc, il a beaucoup moins à perdre. Et même dans, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les nouveaux documentaires, dans les nouveaux DVD, je prends l'exemple du tout dernier DVD de Triple H, on a l'Undertaker qui apparaît dedans. Avec une casquette, etc., en mode cool et qui donne son avis sur la carrière de Triple H. Donc, c'est complètement con comme exemple, mais comme quoi l'Undertaker n'est pas toujours dans son personnage dark et qu'il peut aussi parfois être interviewé comme une personne normale. Et donc, oui, il peut être intronisé au Hall of Fame, c'est pas impossible. Après, donc là, j'ai parlé de ce que je pensais qu'allait arriver. Personnellement, je pense qu'on aura un autre match de l'Undertaker. Après, c'est que mon avis, et je suis loin d'avoir raison, j'en ai aucune idée. Et je pense qu'il est difficile de répondre à cette question aujourd'hui. Et on n'en saura pas plus, malheureusement, je pense, pas avant bah, la Road to WrestleMania l'année prochaine. Et je pense que si, à la Road to WrestleMania de WrestleMania 33, nous n'avons aucune nouvelle de l'Undertaker avant WrestleMania, ça va faire jaser sur les réseaux sociaux. Hein. Les fans vont se demander ce qui se passe. Et si la WWE ne communique pas au sujet de l'Undertaker, ça va être difficile. Pour moi, un retour n'est pas écarté, mais dans un ring, je pense pas. Je pense qu'il a pris sa retraite des rings, là, honnêtement. Ouais, alors, Ouais, c'est dur. c'est moi honnêtement, je pense qu'il va revenir dans un ring, c'est fort probable. Après, moi, l'Undertaker, j'en ai marre. Je trouve que déjà niveau dans le ring, il est vraiment plus à la hauteur. C'est vraiment un, pff, voilà quoi, faut arrêter, voilà. La WWE veut nous mettre, ah, bah, c'est une grande star. S'il est pas WrestleMania, c'est plus WrestleMania. Et voilà. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de ça, de cette idée-là. Et du coup, ils nous sortent de plus en plus de matchs mauvais. Enfin, voilà quoi. Moi, honnêtement, ce qu'ils auraient dû arrêter, c'est qu'ils auraient dû arrêter à WrestleMania 30. Voilà, Undertaker perd, il part à la retraite. Voilà, stop. Et pas essayer de refaire un match avec Bray Wyatt qui a été. Bon, le match n'était pas dégueulasse, mais voilà quoi. La victoire était totalement inutile, sachant que Bray Wyatt maintenant est dans une profonde crise. Pareil, hein, voilà, nous mettre Shane, c'est bien beau quoi, mais voilà quoi. C'est inutile en plus pour un enjeu qui est. Bah voilà, inutile aussi quoi. On voit bien que c'était fait à la dernière minute, donc voilà quoi, il faut vraiment arrêter avec Undertaker. C'est un catcheur que j'aime beaucoup, mais maintenant voilà quoi, il faut aussi apprendre de l'avant et à savoir prendre une retraite aussi parce que ça commence à bien faire. Je suis du même avis et pour moi le tu dis que t'en as marre de voir Undertaker, mais pour moi c'est aussi la grosse raison pour laquelle Taker ne reviendra pas, c'est que c'est limite si on l'oblige à revenir parce que c'est le mec qui vend quasiment le plus à WrestleMania, Il que en ce a soit même sur marre, la lui. carte. Mais oui, il en a marre justement. C'est pour ça. Il a dit à Vince, mec, c'est bon, j'en ai marre, je rentre chez moi. Et ça se comprend. Il doit avoir la quarantaine, la cinquantaine, je crois. Et tu peux Soixantaine. comprendre. Oh, cinquantaine, je dirais. Tu peux comprendre que le mec, au bout d'un moment, en a marre. Il a donné 25 ans de sa vie et beaucoup, beaucoup plus derrière. Avec ce qu'il a pris au niveau du corps, mais je pense qu'il en a marre lui aussi parce que c'est limite si on l'oblige à revenir chaque année. Il a une rivalité de 3 matchs encore avec Brock Lesnar. Il n'en est pas sorti indemne, évidemment, c'est Brock Lesnar en face. Et on a pu voir à WrestleMania 32 qu'il est plus à la hauteur, que dans un match, il vaut plus ce qu'il a été ces dernières années. Et pour moi, c'était vraiment la dernière fois qu'on voyait. Taker dans un ring, il a déposé ses gants dans le ring en signe d'adieu et puis il est reparti dans sa ferme de cowboy. Alors, je vois que Guillaume comprend très bien les blagues, parce que quand j'ai dit soixantaine, il m'a vraiment pris au sérieux, mais je rigolais. Hein. Est-ce que bon, bah, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ceci?
Ouais, Non. cette question nous a calmés, comme Comme. l'entrée de l'Undertaker. Voilà. Mais en tout cas, merci à toi, Fabien. Très bonne question. N'hésitez pas à poser vos questions pour le prochain podcast qui sera la semaine prochaine, le mardi à 20h. Et j'ai une surprise pour vous. Voilà. Vous vous dites, ouais, mais Melvin n'est pas là. Mais Melvin n'est pas là. Mais comme tous les génies qui sortent d'une bouteille, il a sa chronique en poche et il va pouvoir nous la citer tout de suite après la pub. Ne quittez pas. T'es un bronze champion de la WWE. Quoi? Le monde est enfin devenu extrême. Je ne vois plus rien. C'est beaucoup mieux. En parlant de ça, tu n'as pas plus extrême que le ukulélé? Rien n'est plus extrême que le ukulélé! Ouais. Ouvre ce sac à ukulélé donc je cache ton sort. Tu t'offriras la réponse ultime. Magic motherfucker! Bienvenue dans les statistiques sympathiques de ma vie. Oh yeah. Bienvenue dans les statistiques sympathiques de Melvin, la chronique avec le meilleur nom de chronique ever. Et pour fêter le règne du grand Dean Ambrose, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec Dean Ambrose. Car 2016 pourrait être la première année sans Elimination Chamber Match depuis 2007. Et Dieu mise, c'est à quel point c'est ma situation métal préférée. 4,9 m de hauteur pour 11 m de diamètre, plus de 3 km de chaîne pour une chambre de 9 tonnes, et d'innombrables corps sans vie à l'intérieur. Enfin si, 55 sont restés au sol de la chambre des enfers. Et ça, c'est un beau chiffre pour débuter la chronique. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant tout de suite, on comptabilise 19 Elimination Chamber Match entre 2002 et 2015, auxquels 60 différentes superstars ont osé participer pour seulement 15 vainqueurs différents, soit un quart des participants. Une chance sur 4 de gagner dans un match à 6, c'est plutôt appréciable. Mais sur les 19 matchs, 4 victoires sont pour Triple H en 2003, 2005, 2008 et 2009 en 6 participations. Soit Triple H a 2 chances sur 3 de gagner un Elimination Chamber match. Cena est dans le même cas avec 3 victoires en 5 matchs en 2006, 2010 et 2011. Dans le sens inverse, il existe 5 mecs qui ont réussi l'exploit de gagner en une seule participation. Lashley en 2006, Jack Swagger en 2013, Xavier Woods et Big E du New Day en 2015, avec Ryback d'ailleurs, la même année. D'ailleurs, seul Ryback et Bobby Lashley ont fait plus d'une élimination en en faisant 2. Lourde performance. En parlant de catcheur réussissant le 1 sur 1, s'il y a bien une superstar qui est toujours présente pour les matchs les plus hardcore en cage, c'est bien sûr Chris Jericho, avec 8 participations, soit pratiquement la moitié de tous les matchs produits. Et comparé à Money in the Bank, Jericho a déjà gagné un Elimination Chamber match en 2010, grâce à l'aide de son meilleur copain, Shawn Michaels. D'ailleurs, Jericho est également le catcheur ayant éliminé le plus de superstars, avec un total de 10 catcheurs, juste devant Triple H avec 7 éliminations, Undertaker avec 6, et CM avec 5 éliminations. Mais pour revenir au catcheur habituel, Triple H est second avec 6 participations, tout comme Orton, alors que Cena et Kane en ont 5. D'ailleurs, Kane, à l'inverse de Money in the Bank et de Jericho, n'a jamais gagné un Elimination Chamber match. Mais se retrouver dans une cage gigantesque avec 5 autres mecs est-il pour autant le pire moyen de garder son titre? Avant tout, sur les 19 matchs, 4 ne sont que des matchs pour désigner un challenger et 2 sont pour des titres vacants. Du coup, nous comptabilisons sur 13 matchs seulement. Et c'est extrêmement serré puisque 7 sont restés champions et 6 ont été couronnés nouveaux champions.
D'ailleurs, depuis 2010, aucun champion n'a perdu son titre dans un Elimination Chamber match. Et jusqu'à 2009, les champions titres arrivaient au moins à faire partie des deux derniers de la chambre. Autant dire qu'être champion est un avantage. Être champion est un avantage, mais avoir le bon numéro aussi. Même si le numéro le plus évident paraîtrait être le 6, est-ce vraiment le cas? Eh bien, le numéro 6 a offert le tout premier vainqueur d'un Elimination Chamber match en la personne de Shawn Michaels, mais également l'un des derniers en 2015 avec le New Day. Ils offriront également une victoire à Cena en 2010, Daniel Bryan en 2012 et Randy Orton en 2014. Pratiquement un quart des vainqueurs ont gagné avec le numéro 6, comme le numéro 5, qui, à son actif, a 3 victoires de Triple H et 2 des victoires de 2009. Alors que les 3 premiers numéros provoquent le moins de réussite, avec 2 victoires pour chaque, le plus vieux étant le numéro 3 de Triple H en 2005 et le plus récent est également le numéro 3, mais cette fois-ci de Jack Swagger en 2013. D'ailleurs, c'est le numéro 4 qui est le dernier numéro à offrir son premier vainqueur, en personne de Chris Jericho en 2010, mais également le tout dernier vainqueur d'un Elimination Chamber match, Ryback. Pour finaliser, est-ce normal d'arrêter l'Elimination Chamber match? C'est pas encore officiel, il reviendra sûrement par surprise dans l'année ou l'année prochaine, mais la fin de son propre pay-per-view annonce une mise à l'écart à ne pas négliger. Et puis, c'est surtout une excuse pour balancer ce que je pense de ce match. Car dans cette cage, ça repose des cris de douleur, des marques de sang, du sang, El Torito. Mais c'est également 19 matchs dans 13 shows différents, à 13 lieux différents, de Seattle à New York, passant par Las Vegas, Phoenix, Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans. Cette cage a fait le tour des États-Unis pour surprendre le monde entier et offrir une grosse partie des matchs les plus hardcore de la WWE. La stipulation la plus folle et inimaginable possible. C'est purement subjectif, mais je vous conseille vraiment de découvrir chacun de ces matchs, et notamment le tout premier, comme pour le MUTB. C'est le meilleur, jusqu'à 2016 du moins. Wow, quelle chronique magnifique! J'ai vraiment adoré cette chronique! C'était juste vraiment magnifique! Voilà, enfin bravo à lui, quoi. Honnêtement, c'est. Beaucoup Voilà. d'humour comme ça lui. Ouais, quoi. Il met vraiment ses touches à lui. J'adore. Très beau travail en tout cas. Ouais, voilà. Honnêtement, vous avez raison de. Mais rien que ça, mettez un like pour ça parce que, voilà, quoi. C'était vraiment magnifique. Comme l'Euro d'hier d'ailleurs, qui était juste magnifique. Donc, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette chronique ou sur tout ça? Bon, bonne chronique, très très bon travail de montage, mais encore. Axel? Non, mais pareil. Alors, les gens ils me disent, mais pourquoi on rigole? Eh ben, tenez, bah, tu sais quoi, tellement que je suis un présentateur le plus chieur, et bah, je vais vous le dire, parce qu'on n'a pas vu la chronique. Voilà, c'est tout con. Mais voilà, mais. Le kayfabe est mort, ça y est. Elle va être ajoutée au montage. Ouais, mais bah, aussi. Voilà, mais parce qu'ils se disent, oui, mais pourquoi on rigole? Bref, voilà. En tout cas, c'était une très bonne chronique, j'en doute pas. On se retrouve pour le mardi prochain à 20h. N'hésitez pas à faire vos courses pour avoir à manger et à boire lors de ce prochain podcast. Oh là 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 Et oui, du on a crunch. perdu 60 téléspectateurs. Merci, Lou. Pourquoi? Qui sont partis suite à cette phrase. Ouais, mais on n'est pas en live. C'est l'été, faut faire des kills. Oui, c'est vrai. Faut pas leur dire de bouffer. Donc, faites du sport pour l'instant, vous courez, vous faites de la natation, vous faites du badminton ou encore du cricket. Vous allez vraiment vous adorer. C'est les vacances, c'est l'été, c'est génial. N'hésitez pas à vous écouter si vous êtes en plein États-Unis ou en pleine campagne en Vendée. Vous pouvez toujours nous écouter. Vous avez la 4G, vous avez internet illimité. Vous faites ce que vous voulez. Mais le podcast sera toujours visible et vous pourrez toujours le regarder. C'est la fin la plus longue de l'histoire. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a reproché que ma fin était trop brouillonne. Donc, on va dire au revoir. Abana. Ciao.